sommes heureux de vous avoir avec nous. Merci pour votre fidélité à ces rencontres bimensuelles, tandis qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'étude du livre de l'Apocalypse. Et nous nous retrouverons aussi le 25 avril, quatrième mardi du mois, pour continuer cette. Alors, ce soir, nous allons donc considérer le chapitre 13 de l'Apocalypse. Voilà un chapitre qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Voilà un chapitre qui est, j'allais dire, victime de multiples interprétations ou qui fait l'objet de multiples interprétations. Et ce soir, nous allons faire une approche très biblique, très spirituelle de ce chapitre, parce que souvent, l'approche que vous entendez, c'est l'approche prophétique. Certes, nous n'allons pas négliger l'aspect prophétique dans nos prochaines études, mais pour l'heure, nous voulons mettre le chapitre en contexte et nous voulons surtout avoir une approche spirituelle, biblique et cosmique. Chers auditeurs, chers internautes, puisque nous avons beaucoup de gens qui nous suivent de par le YouTube, chers, vous qui avez l'habitude de nous suivre, hein, mardi après mardi, vous qui êtes nouveau sur cette chaîne ou bien encore sur cette plateforme Zoom, ce que je vais partager avec vous ce soir et pendant les deux ou trois prochaines études est destiné à nous aider à comprendre les mobiles et les stratégies de la bête qui monte de la mer, la guerre entre deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume du monde. Pour cela, nous avons besoin d'être au clair sur une première question. Quand on pose la question « Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? » La réponse est « Pour sauver ce qui était perdu. » D'ailleurs, c'est ce que dit l'évangéliste Luc au chapitre 19, verset 10. « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Mais voyez-vous, beaucoup de personnes pensent au salut, à la vie éternelle, comme une opération de mise à l'abri par rapport au mal, par rapport au diable, par rapport à la mort éternelle. Mais le salut est beaucoup plus significatif que cela, beaucoup plus élevé que cela. Il y a d'autres choses encore plus fondamentales et spirituelles, dirons-nous, dont il faut tenir compte, et surtout en ces derniers temps. La stratégie du salut est d'abord une stratégie divine, d'amour, une stratégie de guerre et une stratégie de sacrifice. Dieu a un problème dans son univers et il est en train de le régler définitivement. Cela prend du temps en ce qui nous concerne. Pour le Dieu éternel, c'est un instant infiniment court, mais pour nous qui vivons dans l'espace-temps sur cette terre, ça nous paraît extrêmement long. L'amour et la haine sont en train de s'affronter, l'humilité et la jalousie se détestent. Alors, quelle est la symbolique et la finalité de cette bête qui monte de la mer? Pourquoi le prophète a reçu ce message sous cette forme symbolique et qu'est-ce que cela veut dire en termes de symbole, mais aussi en termes de finalité par rapport au plan divin, à l'action divine, et par rapport à notre destinée éternelle. Maintenant, il est clair qu'on ne peut pas s'attacher simplement au sens prophétique et historique du texte. Alors, quel en est le sens spirituel profond? Chers amis, chers auditeurs, la réponse à ces questions mérite une analyse spirituelle, théologique et cosmique. Maintenant, vous allez noter que nous parlerons très peu ce soir de la bête, puisque nous devons poser certaines bases, mais nous ferons toujours référence à Apocalypse 13, et vous saurez qu'Apocalypse 13, c'est la bête qui monte de la mer. Mais ce sont nos prochaines études qui nous permettront de faire une étude verset par verset, de façon à ce que l'introduction de ce soir et les études analytiques et bibliques, et théologiques et cosmiques que nous allons faire dans les études, puissent vous donner un aperçu beaucoup plus complet de ce que ce texte veut dire. Voici ce que Jésus, en tant que prophète et envoyé de Dieu, dit lorsqu'il commence son ministère.
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, et c'est Matthieu qui écrit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est une petite phrase, mais qui est tout un discours, qui résume toute une approche de Jésus-Christ par rapport à sa mission dans le monde. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voyez-vous, ce texte révèle qu'il y a deux royaumes, puisque Jésus est dans un royaume qui s'appelle, au moment où il parle, il est dans un royaume qui est celui du monde, le royaume de la terre, ou les royaumes de la terre, n'est-ce pas? Et il dit, le royaume des cieux est proche. Donc, il y a bien un royaume de la terre et un royaume des cieux. Donc, cette réflexion que nous allons mener concernant le livre d'Apocalypse et le chapitre 13 avec la bête qui monte de la mer en particulier, eh bien, je le répète, sera biblique, mais aussi va concerner le cosmos et le royaume des cieux se trouve dans le cosmos. Maintenant, avons-nous conscience que nous sommes nés dans le royaume des perdants, des perdus d'avance? Tous les êtres humains naissent dans le royaume des perdants et des perdus d'avance. Avons-nous conscience que notre royaume, des milliards de fois plus puissant, va bientôt s'installer ici-bas, dans ce monde, sur cette terre, et que tout ce que nous avons connu, tout ce que l'humanité a connu jusque-là, disparaîtra? Ce royaume s'appelle le royaume des cieux. Le logos, porte-parole du théos, c'est-à-dire le Christ lui-même, porte-parole de Dieu, nous a fait comprendre qu'il était venu dans ce monde pour installer le royaume de Dieu ou des cieux. Jésus a donc donné dans les paraboles, dans les évangiles, les synoptiques en particulier, les évangiles qui se ressemblent, hein, avec des mots différents, mais qui racontent les mêmes histoires et rapportent les mêmes paroles du Christ. Dans les récits synoptiques des évangiles, donc, on retrouve des quantités de fois où Jésus parle du royaume des cieux de diverses manières. Il serait d'ailleurs intéressant pour vous et moi de prendre votre concordance et de relever toutes les expressions royaume des cieux qui se trouvent dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les évangiles et voir dans quel contexte Jésus emploie cette expression royaume des cieux ou encore royaume de Dieu. En tout cas, il a fait mention de cela plus de 7 fois dans la Bible. Je n'ai relevé pour vous ce soir que ce qui concerne le chapitre 13 de Matthieu. Mais partout dans les évangiles, il est question de ce royaume de Dieu ou des cieux. Alors, quand M. Macron insiste pour dire que nous sommes en guerre, il ne fait que répéter quelque chose dont nous sommes déjà convaincus étant des étudiants de la Bible. On est en guerre depuis longtemps, des décennies, des siècles, des millénaires. Mais la question ou les questions de fond, me semble-t-il, à se poser, sont les suivantes. Mais dans quel camp est ce monsieur? Au service de quel royaume il est? Royaume des cieux ou royaume du monde? Camp du bien ou du mal? Camp de Christ ou du diable? Camp des ténèbres ou camp de la lumière? Car ce sont les deux camps qui sont en lutte, en guerre, sur cette planète. Le même Matthieu, regardez l'écran, que dit-il? Matthieu dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, 3 choses sont clairement dites, déclarées par le diable dans ce texte. D'abord, ici, ce monde, ce vaste domaine. Deuxièmement, ce qu'il déclare, c'est que, cependant, je ne le céderai sans contrepartie. Il veut une contrepartie. Troisièmement, il faudra m'adorer. Mais très vite, le diable se rend compte
que Jésus n'est pas là pour satisfaire à ses désirs, à ses injonctions, à ses demandes. Jésus est là pour établir, rétablir l'autorité du Père, l'autorité du royaume des cieux sur cette terre. Alors nécessairement, nous savons qu'un conflit, celui qui a commencé dans le ciel, va continuer à faire rage sur cette planète Terre, car le diable n'obtiendra absolument rien de Jésus. Yeshua va le contrer pendant toute son existence sur la Terre avant de retourner vers le Père. Alors maintenant, avec nos aimables lecteurs et lectrices de la Bible, voyons un aperçu de ce conflit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sous ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la loi des saints. Voilà, je te remercie. Alors, vous avez une description des 10 premiers versets du chapitre 13 où il est question de la bête qui monte de la mer. Plus tard, nous verrons la bête qui monte de la terre. Et la fin de ce chapitre, ou de cette portion, 1 à 10 des versets du chapitre 13, se termine de façon, j'allais dire, inhabituelle. Mais au fait, on est habitué d'entendre cette phrase, c'est ici la persévérance. Elle est souvent répétée lorsqu'on étudie le chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, si la foi des saints est bien connue pour être une persévérance dans les trois orientations, les trois messages du chapitre 14, ici la persévérance et la foi des saints doivent affronter la captivité et la guerre. Mais notez qu'il est d'ores et déjà dit que celui qui mène en captivité, il ira en captivité. Et celui qui tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc, celui qui aura mené les saints en captivité, combattu contre les saints, vaincu les saints, sera lui-même, le moment venu, mené en captivité, combattu et vaincu. Donc, dès à présent, nous connaissons l'issue de cette affaire. Mais au-delà de l'issue de cette affaire, par rapport à celui qui fait la guerre, par rapport à celui qui combat contre les saints, par rapport à celui qui a écrasé, piétiné le sanctuaire de Dieu et les saints de Dieu, il y a d'autres attributions pour cette guerre qui se déroule entre le Christ et Satan, d'autres conclusions à tirer, d'autres objectifs qui sont fixés. Et si l'on doit harmoniser les prophéties de la Genèse et les prophéties de l'Apocalypse, on se rend compte que très longtemps à l'avance, Dieu nous a révélé un certain nombre de choses que nous allons découvrir ce soir. Car lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, il ne peut faire sens
si l'on n'a pas dans la tête les prophéties de l'Ancien Testament, les révélations de l'Ancien Testament. Car le livre de l'Apocalypse est truffé de déclarations qui proviennent directement de l'Ancien Testament et particulièrement en rapport avec le royaume des cieux, particulièrement en rapport avec le sanctuaire céleste. Dans cette guerre, à l'introduction de ce chapitre 13, il nous faut parler de royaume. Dans cette guerre des royaumes, de combien de royaumes Jésus a-t-il parlé? Regardons ce que dit le texte de Matthieu chapitre 5, versets 1 et 5. Matthieu chapitre 5, versets 3 et 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Merci. La question est posée, combien de royaumes Jésus a-t-il révélé ou de combien de royaumes a-t-il parlé? Lorsque nous regardons le texte, nous comprenons qu'il a parlé de deux entités. Si nous comprenons les tenants et aboutissants du royaume des cieux, nous comprenons aussi la stratégie satanique dragonienne et la stratégie divine de Satan. Nous obtenons des révélations puisque Dieu fait parler le diable dans la Bible. Voilà pourquoi j'ai eu l'occasion de vous dire, la Bible est truffée de mensonges, d'accord, puisque le diable est un menteur et Dieu fait parler le diable dans la Bible. Et lui-même parle aussi, donc il y a vérité et mensonge. La Bible, c'est le livre de la vérité, parce qu'elle révèle la vérité au sujet de la vérité qui vient de Dieu, mais vérité au sujet des mensonges qui viennent du diable. Bon, donc, faut faire attention à ce que nous lisons. Maintenant, Jésus, lorsqu'il fait son premier discours sur la montagne, les fameuses béatitudes, le discours des béatitudes, montre bien qu'il y a deux entités pour l'héritage de ceux qu'il est venu sauver. Il y a une entité qui s'appelle Royaume des cieux et une entité qui s'appelle la terre, c'est-à-dire que l'héritage sera à la fois l'héritage pour le Royaume des cieux, ce sont les pauvres en esprit qui vont hériter du Royaume des cieux et ce sont les débonnaires qui vont hériter du Royaume de la terre. Donc il y a donc un seul Royaume des cieux avec deux entités, une entité céleste et une entité terrestre. Puisque nous avons appris par le prophète Jérémie et les autres prophètes dans la Bible que Dieu a créé la terre pour qu'elle soit toujours habitée. Donc, lorsque le péché disparaîtra, la terre sera habitée. Par contre, ce que nous considérons moins souvent, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre, c'est aussi de pouvoir repeupler le royaume des cieux qui a été dépeuplé du tiers de ses habitants. Les deux entités vont être repeuplées. Les cieux, dépeuplés par le diable du tiers de ses habitants, et la terre qui a été dépeuplée entièrement parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le diable, ayant introduit le péché, a soumis tous les êtres humains à la mort, mais Dieu va sauver de la mort les habitants de la terre et permettre à la terre de pouvoir être habitée pour l'éternité. Bien. Maintenant, quel royaume est remis à Christ selon les Écritures bibliques? Christ, fils de Dieu, Christ, fils de l'homme. Quel royaume lui est remis? Regardons ensemble Apocalypse chapitre 11, verset 15 et Daniel chapitre 7, verset 13, 14 et 27. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. » Alors dites-moi, d'après ce texte, quel royaume est remis à Christ? Le texte dit bien le royaume du monde. Retenez cela. Le royaume du monde est remis au Christ, pas le royaume des cieux. Royaume du monde. Ce qu'il nous faut considérer,
c'est que le royaume des cieux n'a pas besoin d'être conquis ou reconquis. C'est le royaume du monde qui doit être conquis ou reconquis. Est-ce que vous pensez que le dragon va rester tranquille alors que c'est lui le prince de ce monde? Il va rester tranquille, gentil, après qu'un tel événement ait été déclaré par la parole de Dieu. Le royaume du monde, c'est son royaume. Et ne voilà-t-il pas que l'Écriture dit qu'il est remis à notre Seigneur et à son Christ? Donc, le chapitre 13 de l'Apocalypse est un chapitre qui particulièrement va nous montrer quelles seront les réactions stratégiques, les décisions stratégiques du dragon pour contrer la remise du royaume du monde au Seigneur et au Christ. Voilà pourquoi nous avons souhaité, avant d'entrer directement dans le chapitre 13, vous donner le contexte de cette affaire pour comprendre quelles sont les stratégies que le diable va utiliser, espérant reprendre le royaume du monde. Maintenant, comment le prophète Daniel, avant le prophète Jean, va-t-il annoncer cet événement? Regardons ce qu'il dit. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Qu'avez-vous remarqué dans ce texte? Le Fils de l'homme reçoit le royaume. Et même le texte dit, il reçoit tous les royaumes sous les cieux. Donc il n'y a aucune chance pour le diable de garder pour lui un royaume. Jésus-Christ récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Donc, il est clair qu'un combat sans merci va s'engager entre ces deux entités, le Christ, l'agneau, le diable, le dragon. Le texte dit que les saints du Très-Haut, qui sont avec le Christ, qui sont du côté du Christ, vont eux aussi recevoir, bénéficier. Il leur sera donné le royaume. Ils vont régner éternellement avec le Fils de l'homme et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, ce que nous pouvons conclure dans un premier temps, c'est que la terre doit retourner dans le giron du royaume des cieux. Et Jésus est venu pour que la terre soit replacée dans le giron du royaume des cieux. Le diable, certes, ne va pas se laisser faire. Il combattra de toutes ses forces. Mais la planète Terre doit retourner dans le giron du royaume des cieux. Mais dans la fin du monde, au rétablissement de toutes choses, remarquez de quoi est-il question concernant le royaume. De combien de royaumes parle-t-on? À la fin du monde, lors de ce rétablissement de toutes choses, combien de royaumes existera-t-il? Nous allons lire ces textes qui vont bien nous éclairer et nous aider à répondre à cette question. Regardez d'abord Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voilà. Alors, ce que nous constatons ici, c'est qu'il y a une restructuration puisqu'il y a nouveau ciel et nouvelle terre. Alors, étrangement, plutôt de façon significative et spécifique, dirais-je, Jean dit « ciel ». Vous allez voir que d'autres prophètes ne disent pas « ciel », ils disent « cieux » et « terre ». Restructuration par rapport à la terre et restructuration par rapport au royaume des cieux. Donc, toute vie terre là qui est nouveau,
toute bitéra kai changé. Je vais tout refaire, dit Dieu. Les cieux et la terre. Un nouveau fonctionnement, une nouvelle structure sera mise en place. Regardez maintenant Ésaïe chapitre 65, pardon, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc vous voyez que si Jean dit nouveau ciel, Ésaïe dit nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc il y a des cieux et une terre. La terre est sortie du giron du royaume des cieux. Elle va réintégrer le royaume des cieux, mais lors de sa réintégration, toutes choses seront nouvelles. Maintenant, voilà une raison fondamentale pour laquelle il est important pour nous de considérer le sens du royaume des cieux. Regardez ce qu'il est dit maintenant dans Jean 11, verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Nous comprenons que les enfants de Dieu ont été dispersés et quand Jésus dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », le royaume des cieux est donc l'activité divine pour réunir enfin tous les enfants de Dieu dans un seul corps. Donc, c'est une action, réintégration, réorganisation, une action de rétablissement, mais aussi de réunion des enfants de Dieu dispersés. Verset 10 d'Éphésiens, chapitre 1. Pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le Christ devient, j'allais dire, le trait d'union, ou celui en qui les choses qui sont dans le royaume des cieux et les choses qui sont dans le royaume ou sur le royaume, sur terre, ou dans le royaume de la terre, eh bien, toutes ces choses-là vont être réunies. Il n'y aura plus de différence entre les espaces célestes, les espaces cosmiques dans l'univers de Dieu, plus rien ne sera séparé, éloigné, coupé de la source de la vie, la source du bonheur, la source de l'amour, la source de paix, la source de joie, la source de vie éternelle. Tout sera désormais réuni. Le ciel, le royaume des cieux, est donc déterminé par rapport à la réunification et le diable déterminé à s'opposer à cette réunification. D'où les révélations de Dieu dans le livre de l'Apocalypse concernant les activités sataniques sur la terre. Bête qui monte de la terre, mais la terre, il y a aussi la mer, donc bête qui monte de la mer. Bête qui monte des abîmes, bête qui monte, c'est ce que nous avons dans l'Apocalypse en grande partie. Et tout cela, ce sont des révélations divines pour nous dire, voilà, eh ben, l'autre là, il n'est pas content, il est en colère, il va réagir, il va faire beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de sang versé. Mais bon, tout cela sera nécessaire à la réunification. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre sans victime, il n'y a pas de guerre sans mort, sans blessé. Voilà, donc il faut accepter cela comme étant une réalité. Maintenant, quels sont les groupes identifiés dans ce monde et sur cette terre que le dragon va cibler dans sa détermination? Vous allez découvrir dans Genèse chapitre 35, verset 11, que trois groupes vont être ciblés par l'ennemi. Car pour établir le royaume des cieux, Dieu dispose de trois entités humaines précises. Lisons le texte de Genèse, chapitre 35, verset 11. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi,
et des rois sortiront de tes reins. Merci. Le Dieu Tout-Puissant dit à Jacob, puisqu'il s'adresse à Jacob, d'être fécond, c'est ce qu'il avait dit à Adam et Ève, c'est ce qu'il avait dit à Adam et Ève lorsqu'ils ont été créés à son image, n'est-ce pas, après les avoir mariés, Dieu lui dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. À Jacob, il donne le même message et lui dit, voilà, tu vas être fécond et tu vas multiplier, et de cette fécondité, de cette multiplication, que naîtra-t-il? Eh bien, il naîtra une nation, j'ai besoin de cette nation pour mes plans. Dans mes plans, j'ai prévu cette nation. Il y aura une multitude de nations, ça aussi, je l'ai prévu dans le plan. Et il y aura des rois qui sortiront du terrain, tout ça, je l'ai prévu dans le plan. Donc, Dieu va utiliser trois entités dans son plan de rétablissement de toutes choses. Une nation, Israël, des nations, les nations de la terre, et des rois, c'est-à-dire des personnes qui vont être préparées spécialement à régner avec Christ, avec Dieu, des gouvernants qui seront associés à la gestion du royaume des cieux. D'ailleurs, nous allons voir comment Jésus le dit lui-même quand il arrive sur cette terre et qu'il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » En résumé, l'Israël de Dieu, comme je l'ai dit, une nation, les nations du monde qui vont être utilisées par Dieu tout au long du plan qui va s'établir depuis après le péché dans le jardin d'Éden jusqu'à la fin du monde, Dieu utilise les nations, les rois, les gouvernants, les serviteurs, les ministres du royaume et les saints du Très-Haut qui naîtront ici-bas parmi les enfants d'Israël seront spécifiquement utilisés à des buts aussi spécifiques. Et nous allons, au fur et à mesure que nous avançons dans cette étude, voir comment Dieu va utiliser nation singulier, nation plurielle et roi, gouvernant, serviteur, ministre du Très-Haut, saint du Très-Haut, comme il l'a prévu. Alors, nous devons réaliser à ce stade de notre étude, chers amis, c'est que le royaume des cieux a un type d'enfant à faire naître. Vous avez noté que dans la Genèse, il est beaucoup question de un tel connu sa femme et enfantin. Très présent dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et le principe de l'enfantement est le principe de base du royaume des cieux pour le rétablissement de toutes choses. Dieu a prévu qu'il y ait des enfants à faire naître pour la constitution du royaume des cieux ou du nouveau royaume des cieux, puisqu'il doit faire toutes choses nouvelles. Dieu nous révèle aussi que le malin, le diable, lui aussi, va mettre en place sa famille, ses enfants, puisque Jésus dit qu'il y a deux types d'enfants, les fils du royaume et les fils du malin, les malins. Ce qui est raconté dans le livre de la Genèse est le type de ce qu'il nous faut attendre à voir dans les derniers temps. La famille de Jacob est la famille typique ou typifiante. Ce qui est un type, donc, de la famille que Dieu se propose de mettre en place pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et comme le diable a attaqué régulièrement la famille de Jacob et ses descendants, il attaquera aussi ceux que Dieu va mettre en place, va installer, va faire naître comme étant ses enfants pour le royaume des cieux. Nous comprenons bien, chers amis, que les enfants de Dieu, sont dans cette famille de Jacob, nés par Léa et ses servantes, Rachel et ses servantes. Léa en a donné 8, Rachel en a donné 4, ça fait 12 patriarches qui vont ainsi fonder cette famille que Dieu veut avoir sur terre pour avoir la nation qu'il souhaite avoir, les nations qu'il souhaite avoir et les rois qu'il souhaite avoir. Donc, au sein des enfants,
de Jacob, prophétiquement parlé, sortiront la nation d'Israël, retenez, les nations du monde dont Dieu va se servir, mais aussi les rois ou gouvernants qu'il prépare pour la gestion de son peuple, mais aussi la gestion de son Église, du royaume des cieux pour l'éternité. Donc, qu'est-ce que le diable peut faire dans cette affaire? Ben, chercher à corrompre les enfants, corrompre la nation, corrompre les nations, et ce sera en grande partie une de ses stratégies de guerre, ce qui s'appelle dans l'Apocalypse la grande séduction. Il va aussi donc symboliquement semer l'ivraie pour que son royaume puisse s'installer aussi dans ce monde. Et Jésus dit, n'essayez pas de détruire l'un ou l'autre, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moitié. Donc, Jésus ayant conquis par son sacrifice les nations et la nation, savait que le Père avait en plus, dans sa stratégie, voulu avoir des rois, des gouvernants, des ministres, des personnes qui seront préparées à prendre la direction du royaume avec Jésus. Et d'ailleurs, bon, vous connaissez un peu la Bible, vous savez qu'il est dit souvent, et ils régneront avec lui. Bon. Donc, nous comprenons que le dragon se tienne sur le sable de la mer, Apocalypse 12, verset 18, de façon à accueillir et dévorer tous ceux qui naîtront dans ce monde de l'esprit, tous ceux qui sont susceptibles d'être sélectionnés en tant que gouvernants, membres de la famille royale de l'agneau et du père, élus, enfants de la femme enveloppée du soleil, appelés les restes de la postérité, prémices des fils de la promesse et du royaume. Il se tient sur le sable de la mer pour dévorer. Donc, il surveille les peuples, les nations, la nation et l'enfantement pour pouvoir dévorer les enfants. Et c'est ce qu'il a fait lorsque Jésus est arrivé sur la terre. Il s'est intéressé à cette naissance et son but, c'était de dévorer ce petit enfant qui a été royalement et divinement sauvé par le maître du royaume des cieux, le Père. Donc, le combat du dragon, c'est d'empêcher cette sélection et de faire en sorte que les serviteurs soient comme le troisième jeté dehors et tué en présence du maître. Et nous le verrons tout à l'heure, si vous avez connaissance de Luc chapitre 19. Voici donc comment Jésus nous précise tout cela. Nous allons maintenant lire Matthieu chapitre 25, versets 1 et 14. Matthieu 25, versets 1 et 14. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Alors, notez déjà, avant de lire le texte suivant, que Jésus dit « le royaume des cieux sera ». Si vous êtes nouveau avec nous pour ces études, vous vous souviendrez que je vous ai dit que c'est la seule parabole où Jésus emploie le verbe « être » au futur. Il dit toujours « le royaume des cieux est semblable à ». Mais pour ce qui concerne le royaume des cieux, lorsqu'il sera semblable à 10 vierges et à 10 serviteurs, il emploie le verbe au futur. Ce qui veut dire que Jésus parle du royaume à la fin des temps, au futur. Cela vient dans le temps après Jésus. Donc, deux groupes ou un groupe désigné de deux manières différentes. Nous aurons l'occasion d'en faire le détail. Donc, les vierges, les serviteurs. Maintenant, Matthieu, qui nous rapporte ces deux paraboles, la parabole des vierges et la parabole des talents, et des talents remis entre les mains des serviteurs, les biens du maître placés entre les mains des serviteurs, nous dit que deux d'entre eux ont fait fructifier leurs biens et ont rapporté le double.
Tandis que le troisième, lui, il a préféré enterrer ce qui lui avait été donné, le don, le talent qui lui avait été donné, le bien qui lui avait été confié. Et il a dit, j'attends son retour et je vais lui remettre ses affaires car je sais quel type de maître il est. Lorsque le maître est revenu, eh bien, les deux ont rendu compte au maître et le maître leur dit, c'est bien, entrez dans la joie de votre maître. Et à celui qui n'avait rien fait de ce qu'on lui avait donné, lui a été dit, retirez-lui le talent et maintenant vous allez le jeter dans les ténèbres du dehors. Maintenant, regardez le texte de Luc. Non, de Matthieu. Alors, de Matthieu. Attends, Matthieu toujours. Matthieu, mais j'ai déjà résumé cela, donc on va passer à Luc. Luc 19, versets 13, 16 à 19. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Ok, vous notez donc que Luc reprend la même parabole, mais cette fois, les serviteurs, au lieu de recevoir des talents, reçoivent des mines. Et au lieu d'avoir comme récompense la joie du maître, reçoivent comme récompense, le gouvernement de villes. 10 villes, 5 villes. Donc, ce qui veut dire que le maître a bien l'intention de faire entrer ses serviteurs dans sa joie. Et quelle sera sa joie? Sa joie serait de les associer avec lui dans la gouvernance. Donc, quand il est dit talent confié à, bien confié à, il est question de tester un certain nombre d'individus dans leur gestion des choses et voir s'ils seront capables de recevoir la gouvernance d'entité céleste appelée dans les termes que nous connaissons en tant qu'être humain, ville. Il faut résumer simplement qu'ils vont participer à la gouvernance, à la gestion du royaume des cieux. Et leur préparation se fait maintenant. Lucifer était dans la gouvernance. Lucifer était dans la gestion du royaume des cieux. Mais malheureusement, il s'est révolté. Vous comprenez bien que ces personnes qui sont préparées vont prendre sa place et la place de tous ceux et celles qui ont été chassés du royaume à cause de leur révolte contre le maître du royaume des cieux. Alors, vous comprenez bien que la guerre et l'opposition se poursuivant sur cette terre, Dieu, dans l'Apocalypse, et particulièrement le chapitre 13, va donc nous révéler comment le combat va se dérouler et comment il va être géré jusqu'à la victoire finale. Nous sommes donc à l'heure de la mise en place du royaume des cieux avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les modalités sont en train d'être mises en place maintenant. Le vote pour les ministres du gouvernement est en train de se dérouler maintenant. L'encadrement nouveau du royaume des cieux est préparé maintenant. Alors, chacun de nous, à qui Dieu veut donner une place importante, prépondérante, capitale, joyeuse, bénéfique, remplie de bonheur, nous à qui Dieu veut donner tout cela, nous sommes interpellés sur le temps. Êtes-vous au diapason? Sommes-nous au diapason avec la mise en place du royaume des cieux qui va remplacer le royaume du monde qui est remis à Christ? L'heure est au changement. L'heure est à la dissolution, la disparition des royaumes du monde pour établir le royaume des cieux. Maintenant, quand avons-nous vu que le Seigneur Jésus rentre en possession du royaume du monde pour la réunification du royaume des cieux et de la terre? Regardons ce que dit le texte de l'Apocalypse au chapitre 11, verset 15.
Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Voilà. Donc la question est, à quel moment le Seigneur Jésus, le Christ, a reçu le royaume du monde pour qu'enfin ce royaume soit réunifié avec le royaume des cieux. Maintenant, lorsque vous lisez Apocalypse 11, versets 15 à 19, que nous avons déjà lu, vous vous rendez compte que cette remise du royaume a lieu au moment du jugement, lorsque Jésus passe du lieu saint au lieu très saint. Les indices du texte sont clairs, puisque lorsqu'on lit ce texte, il est dit « l'heure est venue de juger », n'est-ce pas? Le même texte nous dit que le temple de Dieu fut ouvert et l'arche de l'Alliance apparut. Voilà deux signes minimum qui nous disent que nous sommes à l'heure du jugement, à l'heure où le lieu très saint est ouvert, à l'heure du grand pardon, à l'heure des récompenses, à l'heure où Dieu rassemble son peuple. Donc, le message d'aujourd'hui est celui de l'établissement d'un nouveau royaume qui sera constitué grâce à une élection, un vote massif de la population, foule nombreuse. Si vous regardez Apocalypse 19, verset 6, vous allez voir que la foule, la population de l'univers est rassemblée et ils votent massivement lorsque une voix se fait entendre, enfin la mariée est prête et surtout les saints ont produit les œuvres justes. Il dit, oui, nous gagnons, c'est bon, ceux-là, on est content qu'ils vont nous rejoindre, puisque l'invitation est faite à rejoindre le marié dans la salle des noces. Donc, on voit bien qu'ils applaudissent, ils sont d'accord. C'est comme un vote d'une foule nombreuse devant le trône qui dit, eh bien, les saints, ils ont parfaitement bien travaillé. Voici que le finlin est prêt, la mariée peut être habillée, et voilà qu'ils portent le nom du Père et de l'agneau, voilà qu'ils sont vierges, voilà qu'ils sont véridiques, voilà qu'ils ont retrouvé un état parfait de sainteté, les voilà les premiers fruits enfin que Dieu obtient d'hommes et de femmes ayant le caractère irréprochable de l'agneau, ils ont vaincu avec le Christ la bête et son image, oulon, bravo, alléluia, disent-ils. Donc, nous savons que depuis 1844, nous sommes entrés dans ce temps de rétablissement. Préparatif d'abord, on commence toujours par les préparatifs, avant que les ministres se mettent en place, que le règne, que les gouvernants se mettent en place. Il y a toute une série de choses qui se passent, conférences, convaincre les votants, et puis dépouillement et tout le reste. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le royaume actuellement, dans le ciel. Les choses sont dépouillées, triées, sélectionnées, etc., pour qu'enfin les différentes composantes du royaume soient prêtes et que le royaume puisse enfin s'installer pour l'éternité. Le septième ange a sonné de la trompette en 1844 et le royaume du monde a été remis. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle que le dragon, le diable et Satan ne veulent pas que le monde entende et comprenne? Nous abordons doucement la fin de notre étude. Regardons Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Voici ce que le texte dit. « Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. » Donc, le diable ne veut pas que le monde sache qu'il est sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ. Il ne veut pas que le monde sache que Dieu a mis tout en œuvre puissamment pour que le règne de Dieu se retrouve, l'autorité de Christ soit rétablie sur l'ensemble de l'univers, y compris la planète Terre, là où le diable a été précipité,
là où il se tient pour accuser nos frères, là où il se tient pour accuser tous devant Dieu jour et nuit. Cet espace-là sera reconquis par Jésus-Christ. Grâce à Christ, deux héritages sont maintenant promis aux habitants de la terre. L'héritage de la terre, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, et l'héritage de ceux qui ont été suffisamment doux et humbles entre les mains de l'Esprit qui va former en eux le caractère de Jésus. Ceux-là hériteront le royaume des cieux, c'est-à-dire la gouvernance. Ils seront participants directs dans la gouvernance de l'univers. Puisque tu as reçu 10 000 et que tu les as fait fructifier, vois que je te donne maintenant le commandement de diviser. Puisque tu en avais reçu 7 et tu les as fait fructifier, vois maintenant qu'il te donne le gouvernement de 5 000. Comment donc être élu à appartenir au royaume des cieux? Voilà notre question, troisième grande question que nous posons ce soir, alors que nous approchons la fin. Alors, je suggère simplement que vous considériez les différentes phrases et les textes qui sont, nous n'allons pas pouvoir les lire tous, car notre temps est limité, mais vous pouvez les noter, les écrire et les relire. L'Esprit te désigne pour participer à la préparation et à la cérémonie du mariage, c'est-à-dire la cérémonie de mise en place du gouvernement du mariage, de la prise de règne de Christ. L'Esprit veut te préparer à cela. Matthieu 25, verset 1 et 14, que nous avons, Apocalypse 19, verset 7 et 8, que nous lirons tout à l'heure. Il veut te sélectionner, je parle de l'Esprit Saint toujours, pour être un serviteur de Dieu. Selon Matthieu 25, verset 14, selon Apocalypse 7, verset 1 à 3. L'Esprit Saint te reconnaît d'ores et déjà comme une vierge pure de naissance. Est-ce que toi, à ton tour, la révélation de l'Esprit à ton esprit t'a fait savoir que tu étais parmi ceux que le Seigneur considère comme vierges? Vierges. Si elles sont vierges, ces personnes, au moment où le royaume des cieux est constitué à la fin des temps, ce ne sont pas des pécheurs, ce sont des saints, ce sont des justes, ce sont des vierges. Ils n'ont rien dont on peut leur reprocher, puisque le texte dit qu'ils sont irréprochables. Donc l'état que Dieu veut nous mettre, nous placer, à nous qui sommes les derniers, donc premier fruit pour l'établissement du royaume, premier fruit pour une nouvelle semence, puisque le royaume des cieux, c'est comme un semeur qui sème. Dieu veut de nouvelles semences pour un autre royaume, un autre gouvernement qui s'appelle le royaume des cieux. Et cette semence-là, elle doit être pure, elle doit être vierge, elle doit être sainte, elle doit être telle qu'elle correspond totalement à la nature divine. Donc vous comprenez bien que c'est l'œuvre qui mérite d'être dans nos têtes, dans nos cerveaux, qui mérite laquelle on doit cogiter. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi en cette fin des temps? Qu'est-ce qu'il veut que je sois en cette fin des temps? Vierge? Serviteur? Invité? Qu'est-ce que veut-il que je sois? Saint-Esprit, dis-moi, dis-nous, que veux-tu que nous soyons? Quel choix as-tu fait nous concernant? Parce que Jésus, lorsqu'il parle de cela, dit « Mon Père me les a donnés ». Choisis par le Père, ce sont les personnes qui sont un avec le Père, comme le Père et le Fils sont un. Voyez-vous, Jésus a prié, mes amis, n'oubliez pas que Jésus a prié pour que nous, ses disciples soient un comme le Père et lui sont un. À quel moment allons-nous arriver à cette unité qui ressemble à l'unité du Père et du Fils? Seuls les 144 000 parviennent à atteindre ce statut, cet état.
Jésus dit bien dans Jean chapitre 17, verset 12, lorsque j'étais avec lui dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Je l'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf, sinon, dit-il, le fils de la perdition. Chers amis, regardez la suite. Regardez Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 4. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, les 144 000 possèdent quoi? Le nom du Père, le nom de l'agneau, ils sont vierges, ils sont rachetés parmi les hommes et ils sont les premiers fruits que Dieu et l'agneau obtiennent. Parce qu'il n'y a pas de moisson sans les premiers fruits. Cette semaine, dans les églises adventistes, on a étudié ces deux moissons, je veux dire la semaine dernière, n'est-ce pas, la semaine dernière. Et vous avez noté que la première moisson était celle des fils de Dieu, et la deuxième moisson était celle des fils du malin. Donc, cette moisson première sont les premiers fruits qui vont donner cette grande moisson qui va être accueillie dans la salle du repas des noces. La première moisson, les vierges, sont accueillies dans la salle du mariage, tandis que les autres, la grande moisson est accueillie dans les greniers du ciel, c'est-à-dire la salle du repas des noces. Jésus dit, Matthieu, Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Regardez et lisons ensemble. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Maintenant, remarquez bien et réfléchissons encore un peu, mes amis. Donc, en fait, travail tête en nous, pour nous réfléchir, voilà, à présent. Jésus dit, personne ne peut ravir de ma main, sauf le fils de la perdition, mais personne ne peut ravir de ma main les brebis que le Père m'a données. C'est-à-dire que personne ne peut être perdu. Quand il s'agit des brebis de Jésus, il n'y a pas de perdu, sauf le fils de la perdition. Par contre, vous avez noté que ces brebis sont à sa droite et les boucs sont à sa gauche. Vous avez noté que la salle du royaume, salle des noces, est remplie et qu'un est jeté dehors. Donc vous avez noté qu'il y a toujours une majorité de sauvés ou une minorité de perdus. Dans ce qui concerne les brebis, pour mon papel. Mais en ce qui concerne les invités dans la salle du repas, un est jeté dehors. Un, Dieu va sauver un max de personnes, bons et méchants. C'est-à-dire les débonnaires et ceux qui sont dans la nés dans ce monde de péché. Les méchants dans la Bible, ce sont ceux qui ont la nature de péché, d'accord? Mais qui, comme le larron sur la croix, peuvent entendre et se dire, ah, il faut que je change là. Bon, ma perspective, ma façon de penser, au dernier moment, ce méchant a une opportunité de dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, parmi tous ceux qui diront, souviens-toi de moi. Parmi tous ceux qui auront apprécié et qui se diront, Jésus, j'accepte, je te veux comme mon sauveur. Ils seront nombreux, très nombreux, de tous horizons, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, qui vont entrer, remplir la salle. Mais quand il s'agira des élus, quand il s'agira des brebis, quand il s'agira de ceux qui sont vierges, quand il s'agira de ceux qui sont irréprochables, quand il s'agira de ceux qui vont être gouvernants, serviteurs,
dans le perpétuel, dans l'éternel perpétuel. Ceux-là sont peu nombreux, mais tous, dès leur appel, tous, sans exception, sont gardés puissamment par la main de Dieu qui les a donnés à Christ et aucun d'eux ne se perdra. Aucun. C'est Jésus qui le dit. Ainsi, Paul nous donne à réfléchir en écrivant ceci dans Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà pourquoi le texte dit « Ils n'ont pas été souillés avec des femmes. » Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En d'autres termes, ayant compris la parole de Dieu à Adam, la parole d'Adam à Ève, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est Adam qui dit ça à Ève. Elle sera appelée femme. Dieu dit, l'homme n'est que chair. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il n'est que chair. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui vient de la chair est chair. Ce qui vient de la chair est femme, passion, désir. Ceux qui sont nés de l'Esprit et qui sont à Jésus-Christ. Remarquez bien, Paul ne dit pas qu'ils sont en Jésus-Christ, mais à Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont à Jésus, c'est Dieu le Père qui les lui a donnés. Mais ceux-là ne sont pas le résultat de ce que la passion, le désir a conçu. Ils ne sont pas de la chair, mais ils sont nés de l'esprit. Et tous ceux qui sont nés de l'esprit ne se perdront pas, sauf ceux qui, par leur attitude, vont pécher contre le Saint-Esprit et sont appelés fils de la perdition. Malheureusement, il y en aura. Malheureusement, ils sont cinq vierges sages et cinq vierges folles. Après tout ce que le Saint-Esprit aura voulu faire avec ces folles, eh bien, leur attitude, leur attachement à la chair, leur attachement aux passions, leur attachement aux désirs, ils les entraîneront dans la perdition comme Lucifer et les anges désobéissants, révoltés, ont été entraînés dans la perdition. Maintenant, remarquons ce que Jésus dit. Très intéressant. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre, comprenne. Nous avons cru que le mariage était une affaire hautement sacrée. Et nous avons fait de cette institution une idole. Jésus dit, lorsque les disciples lui posent la question concernant le divorce, etc., les disciples ont répondu, mais alors si c'est ainsi, quel homme face à la femme quant au mariage, il n'est pas bon de se marier. Et Jésus leur répond, vous savez mes amis, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire, ils sont génétiquement destinés à être eunuques. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Ben, donc, ils ont été forcés de l'être. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux vient faire dans cette affaire? Et Jésus dit, ils ont pu comprendre, c'est un cas dit là, hein? Que celui qui peut comprendre, comprenne. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas question de mariage. Il n'y a que des eunuques dans le royaume des cieux. Pour être dans le royaume des cieux, il faut être un eunuque. Spirituellement parlant, s'entend, n'est-ce pas? Mais nous remarquons qu'une affaire de ventre de mère, une affaire d'homme, donc de chair, ça peut donner des eunuques. Mais
Quand cette affaire concerne le royaume des cieux, là encore, il s'agit d'eunuques, ça veut dire des personnes qui sont castrées, en d'autres termes, des personnes qui n'ont pas vocation à faire des enfants, mais qui ont vocation à être au service du royaume et au service du royaume toute leur vie, pendant l'éternité. Car les anges sont des eunuques. Ils sont au service de Dieu jour et nuit, s'il faut parler de nuit. Quoique dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de nuit. Donc, ce que la Bible appelle le perpétuel, ils sont tout le temps au service de Dieu, sans dormir, sans boire, sans manger. Dieu les a conçus pour avoir un corps, un être qui s'appelle un corps spirituel, glorieux, qui n'a pas besoin de nourriture. Il ne faut pas s'arrêter pour aller faire pipi, caca, manger, etc. Et arrêter le perpétuel, car le royaume des cieux, pour fonctionner, a besoin de mouvements perpétuels. Le diable est parti avec le tiers de ceux que Dieu avait mis à son service dans le perpétuel. Dieu va les remplacer et il va faire de ceux qu'il aura choisis des anges pour les placer à son service comme serviteurs gouvernants de ville, c'est-à-dire partageant la direction du royaume avec lui. Donc aujourd'hui, il appartient à chaque croyant de se demander quel est le choix de Dieu pour moi. Serviteur, vierge, eunuque, dans le perpétuel, dans le service du royaume, simplement habitant, invité de la Jérusalem, qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma destinée? Dans les études que nous allons faire prochainement, il sera davantage examiné face à l'opposition satanique ce que Dieu veut pour nous, de façon à échapper au pouvoir satanique et de se placer sous la direction divine. Les choses doivent être déterminées dans notre esprit pour qu'elles se révèlent au temps voulu, car Paul dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Cette révélation n'est pas encore d'actualité. Elle le sera bientôt. Donc, notre position aujourd'hui, notre compréhension, heureux, Jésus dit, que celui qui peut comprendre, comprenne. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront, car il y a des choses à comprendre pour que nous puissions être sélectionnés ici ou là pour ceci ou pour cela. Donc, mes amis, notre sélection, notre état d'esprit passe par le fait que nous voudrions être portés et porter le nom du Père et de l'agneau étant nés de l'esprit. Notre état d'esprit doit être celui de personnes qui acceptent d'être crucifiées totalement de la chair et ses passions, se débarrasser de l'autorité de la chair pour que naisse et grandisse l'eunuque, l'esprit serviteur ou l'esprit au service de. Former en nous pour servir à. Dieu a besoin de former ces esprits-là. Et les premiers qu'il va former s'appellent les 144 000. Des êtres prémices, premiers fruits. Et la Bible dit que ces fruits-là sont pour Dieu et pour l'agneau. Dieu en a besoin pour le royaume des cieux. Donc, il va former des personnes qui seront les prémices, les premiers fruits. Dieu les tire de la terre et les place à un niveau extraordinaire. Et il montre à Satan, par les prémices, que s'il n'avait pas semé son ivraie, s'il n'avait pas menti à l'humanité, tous seraient à ce même niveau. Mais pour l'heure, certains vont s'attacher à l'esprit, car nés de l'esprit, d'autres, même nés de l'esprit, vont finalement s'attacher à la chair et vont être détruits avec la chair. Donc, chers amis, pour terminer, nous voici à nous poser une question finale. Comment Daniel présente-t-il ce royaume final? Voici ce qu'il dit. Daniel chapitre 2, verset 35.
Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dieu reprend le contrôle de la terre pour l'établir au sein du royaume des cieux et il choisit avec qui il va opérer en tant que gouvernant ou gouverné. Voici la suite. Daniel 2, versets 44 et 47. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà. Maintenant, la bête d'Apocalypse 13, un conglomérat de nations, de pouvoirs, de puissances. La Bible dit qu'elle sera cette bête brisée et anéantie. Tous les royaumes de ce monde vont être anéanti par le royaume de Dieu, le royaume du Dieu des cieux, le royaume des cieux, et ce royaume des cieux va subsister éternellement. La parole est certaine. Donc l'issue finale, nous la connaissons grâce à la prophétie. Mais nous devons aussi savoir qui Dieu et Jésus préparent pour cette issue. Et c'est là la problématique posée devant nous humains. Savons-nous ce que Dieu veut pour nous individuellement et collectivement? Parce qu'il y a une issue et il faut préparer des gens pour cette issue. Chers amis, quand les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, il y avait deux catégories. Ceux qui furent incorruptibles comme Joseph et qui montèrent sur le trône et les autres invités à table et habités dans le pays de Goshen. Parmi ceux qui ont quitté l'Égypte pour la Canaan, ils étaient encore deux groupes, les incorruptibles comme les fils de Lévi et les autres. Le dragon a une stratégie de corruption pointue et efficace. Te laisseras-tu corrompre ou pas? Seuls les élus, seuls les choisis ne se laisseront pas corrompre. Quelle est donc cette stratégie de corruption humainement imparable et de destruction? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Quelle est cette stratégie divine qui fera que, enfin, la mariée sera prête et les justes, les saints pourront préparer le matériau qui sert à la confection du vêtement? Chers amis, voulons-nous laisser l'Esprit nous préparer pour le mariage de l'agneau, la prise du règne, puis le repas des noces et la participation à la royauté de Jésus? Voulons-nous être choisis comme serviteurs et gestionnaires des biens de Dieu? Voulons-nous être lavés, purifiés, blanchis par le souverain sacrificateur Jésus? Voulons-nous porter le nom du Père et de l'agneau? Voulons-nous ne plus être victimes souillées par la chair, la nature humaine charnelle, pécheresse, symbolisée par le mot « femme » parce qu'elle a péché et ses passions? Voulons-nous que Dieu fasse de nous des prémices pour lui et pour l'agneau? Voulons-nous avoir le privilège d'appartenir à la royauté, au gouvernement de l'univers et d'habiter la Jérusalem céleste? Si nous avons tous le même esprit de sacrifice, si nous avons cet esprit d'amour de Jésus-Christ, alors vous et moi, nous pouvons être élus et sélectionnés parmi les 144 000 selon le choix divin. Tous ces privilèges réservés aux élus, que ce soit le privilège d'entrer dans le temple et d'être au service de Dieu ou le privilège d'habiter la Nouvelle Jérusalem, eh bien,
tout cela, Dieu les place, Dieu le place devant nous. Le chapitre 13 d'Apocalypse présente ce que Dieu réserve aux appelés, aux élus, aux fidèles pour s'être engagés foncièrement dans la bataille contre le dragon, alors qu'il fait tout pour les ravir des mains de Jésus-Christ. Jésus a besoin de toi pour gagner. Il a besoin d'un peuple qui soit en union avec lui. C'est là le mariage. Un peuple qui se prépare à régner avec lui, à monter sur le trône, à habiter la Nouvelle-Jérusalem, à servir dans le perpétuel, éternellement. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir en introduction à l'étude du chapitre 13 de Daniel, de façon à ce que lors de cette étude, certaines choses ne vous paraissent pas bizarres parce que nous aurons fait une clarification avec la présentation de ce soir et montrer dans quelle direction Dieu veut aller et dans quelle direction le diable, le dragon, veut aller. Comment il agira, c'est ce que nous verrons les prochaines fois. Comment Dieu agira concrètement, c'est ce que nous verrons en profondeur encore ou allant plus en profondeur la prochaine fois. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir. Nous allons vous donner l'occasion de poser une ou deux questions s'il y a quelque chose à clarifier dans votre esprit. Merci notre Dieu pour ce moment que nous avons partagé, pour cette étude. Nous voudrions que par l'esprit, nos esprits soient rendus intelligents, que nous puissions comprendre ce qui est dans la parole et que nous puissions assimiler ces connaissances et pouvoir aussi faire en sorte qu'elles s'appliquent, qu'elles trouvent une application pratique dans nos vies de personnes désireuses de servir notre Père, désireuses d'habiter la nouvelle Jérusalem, le gouvernement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu prépare. Alors, mon Dieu, conduis-nous dans le temps que nous passons à l'étude, conduis-nous dans la réflexion, conduis-nous dans la préparation et permets que nos vies soient débarrassées des passions et des désirs de la chair pour s'attacher aux désirs et aux passions de l'esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.
Voilà, eh bien, bonne nuit, bonsoir à tous, dormez bien. Ceux qui sont déjà levés, eh bien, bon travail, bonne journée. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les participants, merci à la technique, merci aux lecteurs de la Bible, merci à tout ce beau monde, sans qui les choses ne seraient pas possibles. Dieu vous Alors, bénisse. bonsoir, bonsoir, pasteur Oui. Navrin. Alors, vous avez le titre là pour trouver sur YouTube, c'est Lumière et quoi encore? Lumière pour les temps actuels. Ah, bon, d'accord. Alors, samedi, et puis samedi 22, c'est après l'heure que vous commencez, parce que c'est pas tout le temps, je vois.